Dessine la droite qui représente l'équation linéaire 5x plus 2y est égal à 20. Ce qu'on nous demande en fait ici, c'est de dessiner la courbe représentative de cette équation linéaire-là. Parfois, à la place de dire équation linéaire, on parle aussi de fonction linéaire ou de fonction affine. Nous verrons dans les prochaines vidéos plus précisément de quoi il s'agit. Donc, ici, on aimerait représenter la droite qui correspond à cette équation-là. La première chose que je te propose de faire, c'est de réécrire cette équation sous la forme y est égal à quelque chose. Donc l'équation qu'on a ici, c'est 5x plus 2y est égal à 20. Et nous, on aimerait avoir cette équation sous la forme y est égal quelque chose. Donc la première chose qu'on va faire, c'est passer les x qui sont ici de ce côté-là. Pour faire ça, ce qu'on peut commencer par faire, c'est soustraire 5x au membre de gauche et 5x au membre de droite. Donc je soustrais 5x de ce côté-là et de ce côté-là aussi. Qu'est-ce que je trouve si je fais ça? Bien ici, j'ai moins 5x plus 5x. Donc ça fait 0x. Il ne me reste plus que 2y de ce côté-là. Et de ce côté-là, j'ai 20 moins 5x. Pour avoir cette équation sous la forme y égale quelque chose, il faut que je divise le membre de gauche par 2 et le membre de droite par 2. C'est ce qu'on va faire. Je divise ce membre-là par 2 et ce membre-là aussi par 2. 2y divisé par 2, ça fait combien? Oui, ça fait y. Et ici, j'ai 20 moins 5x, le tout divisé par 2. 20 divisé par 2, ça fait combien? C'est bien ça, ça fait 10. Et là, j'ai 5 demi de x. Et cette fois-ci, nous avons bien cette équation-là sous la forme y est égal à quelque chose. Donc ça, c'est l'expression en fait de ce qu'on appelle une fonction affine. On a y est égal à quelque chose, un coefficient multiplié par x, plus quelque chose. En fait, une fonction affine, c'est une fonction de la forme, je vais l'écrire ici, y est égal à ax plus b. Donc on a comme variable y et x, et a et b sont en fait deux nombres réels. A et b appartiennent à grand R, ce sont deux nombres réels. Donc pour revenir à notre problème, ici on a l'équation écrite sous une autre forme. Donc ce qu'on veut faire maintenant, eh bien c'est déterminer les points qui appartiennent, au moins quelques points qui appartiennent à la courbe représentative de cette fonction. Parce que quand on aura déterminé au moins deux des points, eh bien nous pourrons tracer la droite qui passe par ces deux points. Et ce sera la droite représentative de cette équation linéaire ou encore de cette fonction affine. Donc je te propose qu'on dresse un tableau ici des valeurs de x et des valeurs d'y qui se correspondent. Une valeur de x simple, c'est x est égal à 0. Que vaut y si x est égal à 0? Eh bien, on va le calculer ici. Y c'est égal à quoi? Alors c'est égal à 10 moins 5 demi multiplié par 0, puisque x est égal à 0. Et ça fait combien? Ça fait 10 moins 0, donc 10. Si x est égal à 0, alors y est égal à 10. Nous avons notre premier point. Je vais faire un peu de place ici pour pouvoir continuer à calculer. On va calculer maintenant, imaginons qu'on prenne x est égal à 2. X est égal à 2, tu vas voir, c'est relativement simple dans ce cas-là de calculer le y qui correspond. Si x est égal à 2, y est égal à 10 moins 5 demi multiplié par 2. Ça fait combien ça? Bien, ça fait 10 moins, ici on a 5 demi multiplié par 2 ou 2 sur 1. Les deux se simplifient, il nous reste ici 5. On trouve que y est égal à 10 moins 5. Et 10 moins 5, ça fait combien? Ça fait 5, exactement. Donc quand x est égal à 2, y est égal à 5. On pourrait s'arrêter là, parce qu'avec deux points, on peut déjà tracer la courbe, la droite qui passe par ces deux points et qui sera la droite représentative de cette fonction affine. Mais pour s'entraîner, on va en calculer un dernier, un troisième. Imaginons qu'on cherche à calculer y pour x est égal à 4. Dans ce cas-là, y vaut quoi? Y vaut 10 moins 5 demi
multiplié par 4, puisque x est égal à 4. Ça fait combien ça? Bien là, ça fait 10 moins 5 demi multiplié par 4, ça fait combien? Bien regarde, 4 en fait c'est la même chose que 2 fois 2. Donc si 4 c'est la même chose que 2 fois 2, si je divise 4 par 2, je vais trouver 2 ici, on simplifie. Et on trouve que ici on a 5 fois 2, c'est ce qu'il nous reste. 5 fois 2 ça fait combien? Ça fait 10. Donc on a y est égal à 10 moins 10, c'est-à-dire 0. Quand x est égal à 4, y vaut 0. Et nous avons 3 points ici, qu'on va essayer de placer sur le plan pour ensuite les relier par une droite. Alors le premier point qu'on a pour coordonnées 0, 10. Où est-ce que tu le placerais sur ce plan? Donc si x est égal à 0, ça veut dire qu'on se trouve quelque part sur cet axe-là, sur l'axe des ordonnées. Et y est égal à 10, eh bien ça veut dire qu'il faut monter de 10 graduations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce point-là correspond au point de coordonnées 0, 10. On a placé le premier point. On va s'occuper du deuxième, qui a pour coordonnées 2, 5. 2 sur l'axe des x, c'est ici, et il faut monter de 5 graduations. 1, 2, 3, 4, 5. Ce point-là a pour coordonnées 2, 5. Et on va placer le troisième point, qui est le point de coordonnées 4, 0. Où est-ce que tu le placerais, toi, ce point? Oui, on se mettrait ici. Et en fait, il n'y a besoin ni de monter ni de descendre sur la dimension verticale, parce que la coordonnée en y, c'est 0. Donc le point de coordonnées 4, 0, c'est celui-ci. 4, 0. Et tu vois, ces trois points sont bien alignés. Nous n'avons pas fait d'erreur dans nos calculs. Donc si on les relie tous les trois, c'est ce que je vais faire là, aussi bien que possible. Si on les relie tous les trois ainsi, on obtient la droite représentative de cette équation linéaire-là. Nous avons répondu à la question. À bientôt!